واحبار شادو وينو وناقي واحبار شادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن. Bonjour chers élèves et candidats au baccalauréat sciences et gestion. Je me présente, je m'appelle M. Abdulkader Moussabouh, prof d'économie droit au lycée d'État. La séance que je vais vous présenter aujourd'hui portera sur le développement durable. Notre séance va commencer par la définition du développement durable. Nous verrons par la suite les trois piliers du développement durable, ainsi que les indicateurs et les instruments. Par la suite, nous verrons les obstacles au développement durable et nous allons clôturer notre séance par les trois principaux piliers du développement durable. Le développement est un processus de transformation dans lequel l'exploitation des ressources, la direction des investissements, l'orientation technique, ainsi que les changements institutionnels se font de manière progressive. Qu'est-ce que le développement durable? Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Cette définition a été donnée dans le rapport Brandon de 1987. Le développement durable suppose le respect des personnes en premier lieu, par la suite le respect des écosystèmes. Nous allons voir un tableau qui nous montre les ressources permanentes, donc les ressources durables, mais aussi les ressources non permanentes. Ce qui veut dire que nous devons privilégier les ressources permanentes au détriment des ressources non permanentes. Par exemple, utiliser plus d'énergie solaire au détriment des énergies fossiles afin de préserver la planète pour les générations futures. Les ressources renouvelables sont l'air, l'eau, le sol, ainsi que les plantes et les animaux. Nous allons passer maintenant aux trois piliers de développement durable, qui sont l'économie, donc par exemple, le social et l'environnement. Nous allons voir un tableau qui résume la connexion qui existe entre ces trois piliers du développement durable. Voilà, l'environnement, le social et l'économie. Un environnement social doit être donc fiable socialement, équitable donc dans le domaine de l'économie et fiable dans le domaine de l'économie et l'environnement. Le social veut dire par exemple assurer les besoins essentiels à tout citoyen, par exemple l'accès à l'eau, à l'éducation et à la santé pour tout citoyen. L'environnemental revient à dire préserver la diversité des espèces, ainsi que le changement, le passage de l'énergie fossile aux énergies renouvelables, adopter de nouvelles attitudes, de nouvelles manières de consommation, consommer plutôt vert, par exemple. L'économie, ça veut dire créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles de chaque citoyen. Nous verrons maintenant les indicateurs du développement durable. Ils sont au nombre de deux. Il y a l'empreinte écologique, qui consiste, par exemple, il s'agit de la trace laissée par l'homme, c'est-à-dire on prend en compte l'impact de la consommation d'une population donnée en calculant le sol et l'océan, mais aussi la manière de dissimuler les déchets. Il y a aussi le deuxième indicateur qui est le PIB vert. Le PIB vert est un indicateur à long terme qui reprend les trois piliers que nous avons vus par là au-dessus, donc précédemment, qui sont les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Quels sont les instruments maintenant par la suite du développement durable? Il y a les instruments fiscaux. Ça, c'est les instruments économiques, mais aussi les instruments réglementaires. Les instruments fiscaux sont l'ensemble des taxes et subventions en faveur de la réduction de la pollution, le rôle que doit jouer chaque État afin de préserver l'environnement des concitoyens et le respect de la biodiversité. Les instruments économiques, il s'agit de créer des marchés de droits à polier. À polier, chaque pays fixe un quota souhaitable d'émissions de COD qui sont répartis entre les acteurs économiques concernés, à charge pour ces derniers d'utiliser leurs quotas, de les vendre en partie ou d'en acheter d'autres. Enfin, le troisième point, ce sont les instruments réglementaires. Ensemble de règlements, réglementations consistant à interdire certains comportements jugés nocifs pour l'environnement. Par exemple, la pollution ou l'utilisation des énergies, l'utilisation des produits nocifs dans le domaine de l'agriculture, mais aussi la pollution dans le domaine maritime. Nous verrons par la suite les obstacles au développement durable. Il y a les obstacles économiques, les obstacles, le poids de pression de groupes de pression,
et les difficultés économiques et politiques de certaines régions du monde. Les obstacles économiques supposent une loi de marché qui ne permet pas toujours de concilier l'intérêt général et les intérêts privés des entreprises. Par exemple, les entreprises soucieuses de leur chiffre d'affaires poussent les individus à consommer. Donc c'est pour cela qu'on doit bannir certains modes de consommation. Par exemple, utiliser moins de produits jetables, par exemple. Les poids de groupes de pression. Les groupes de pression tentent d'orienter les décisions politiques afin de défendre leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général. Les difficultés économiques et politiques. Dans certaines régions, il y a le sous-développement, la pauvreté ainsi que la corruption constituent un obstacle à l'avancée du développement durable. Et nous verrons enfin les trois principes fondamentaux du développement durable qui sont les principes de solidarité, le principe de précaution et enfin les principes de participation. Les principes de solidarité, donc une solidarité entre les personnes d'une même génération, car une société qui avance ne peut être une société qui exclut, mais aussi solidarité intergénérationnelle. Puisque nous ne transmettons pas notre planète à nos enfants, nous faisons que l'emprunter. Ça veut dire avoir une nouvelle attitude, une nouvelle manière de préserver la planète. Tout cela passe par notre manière de consommer, d'agir et d'interagir, par exemple. Le principe de précaution est un principe qui stipule qu'il faut toujours mieux prévenir que guérir, c'est-à-dire qu'il faut évaluer les risques potentiels que l'on peut faire courir aux agents et à l'environnement, mais aussi bannir tout ce qui peut avoir des effets dommageables ou irréversibles. Le principe de précaution suppose une nouvelle manière de consommer. Consommer en utilisant les circuits courts, ça veut dire directement donc se servir auprès de l'artisan ou auprès du fermier, au lieu de privilégier d'acheter des produits exportés de pays étrangers, par exemple, afin de préserver ou limiter le nombre de COD dégagés. Le principe de participation, par exemple, pour être légitime, le développement doit tenir compte de la vie de chacun en s'appuyant sur les organisations représentatives et démocratiques. Tout le monde doit participer, la société civile, mais aussi les ONG, ainsi que la puissance publique. Tout à chacun a son point de vue, a donné toutes les bonnes idées et la bienvenue dans le domaine du développement durable. J'espère que vous avez compris l'intérêt de cette séance et qu'elle vous servira dans vos révisions au vu du baccalauréat. Le développement durable est, comme vous le savez, une nouvelle manière de penser, de préserver notre planète parce que nous n'en avons qu'une et tout à chacun doit mettre sa pierre à l'édifice afin d'améliorer nos manières d'agir, d'interagir, de consommer, mais aussi de voir comment évolue le monde. Bon courage. Et bonne chance. Tumbari to vanga,